Pas d'intro aujourd'hui, je m'en bats les couilles. Écoutez-moi bien. On est le 28, demain le 29, on est à 24 heures de mon anniversaire. Pourquoi vous êtes encore devant ma story? À regarder mes snaps et tout. Pourquoi tu n'es pas au magasin en train de foncer pour mon cadeau? Pourquoi? Mon anniversaire c'est dans 24 heures. Toujours pas reçu de virement, pas reçu de PayPal, rien. Vous avez 24 heures, je ne rigole plus avec vous. Commencez à chercher mes cadeaux, des trucs comme ça là. Vite! Qui n'ont pas bien entendu, commencez à tendre l'oreille. Les bails de l'intention qui compte, le plus important c'est un cadeau. Garde ça pour les restos du cœur. Je veux des cadeaux qui me valent. Tu as compris, Geoffrey? J'ai de la valeur, donc mon cadeau aussi doit avoir de la valeur. Y a pas de ouais, on fait ça pour le bien, pour l'amour et tout. Je veux pas d'amour. Argent! Valeur! C'est ce que je veux pour mon anniversaire, d'accord? Commencez pas à me raconter vos histoires de intention qui compte et tout. Je suis pas une association. Je veux pas d'intention. Je veux l'argent. Et ce qui compte, c'est le compte en banque. Voilà. Ah, Evan! Ouais. Hey, tu sais que t'es mon gars. T'es mon gars de baiser. Depuis des années, etc. Je vois, tu prends un peu. T'as pris un peu des sous avec YouTube, tout ça. Ouais. C'est mon anniversaire vendredi 29 mars. T'es invité. Tu connais ton gars, bien sûr, t'es invité. C'est-à-dire, viens, toi, ton portefeuille, ta bonne humeur et... Ouais. Arrête, 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 ça me donne envie de te sucer. Arrête, je te suce. Je te suce, bordel. Les gars, j'ai rejoint mon meilleur ami. Vous devez pas comprendre en vrai là tout de suite. Je vais mettre la vidéo de ce qui s'est passé hier. Mais en vrai, elle m'a pardonné. Non. Quoi? Ton pouce, mon frère. Les gars, elle va me pardonner, vous inquiétez pas. Mais du coup, je vous mets la vidéo d'hier de ce qui s'est passé et tout. Qui chouine pour un rien et tout, donc je veux bien faire le mec qui l'aide et tout. Donc je t'appelle, mais je me sens forcé en fait de t'appeler. Et j'ai pas envie d'avoir cette discussion. T'as dit quoi? Bah forcé. Hein. Non, mais genre, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, genre? Dans mais cette situation. En mode, si la considération elle est pas pareille, bah ça sert à rien. Rusty, t'as pas considéré, c'est ça? C'est pas ça, c'est si la considération elle est pas pareille, bah chacun sa vie en mode. Ok, c'est-à-dire toi t'es fermé, tu veux pas parler avec lui. Mais tu trouves pas t'es un peu dur avec lui quand même? Non. Tu trouves pas tu fais un peu trop la tismée en mode froide, je veux pas parler avec lui, c'est mort et tout? Non. C'est-à-dire là, pour juste pour ça, c'est plus jamais vous avez parlé, plus jamais, discussion close, genre je veux rien savoir. Non mais y a pas de galère, mais en mode fin genre. Ok. Désolé de t'attaquer sur ce terrain-là, mais en fait on est des enfants de Dieu en fait, et on doit pardonner notre prochain, et avoir de l'amour, t'as capté? Et de la compassion. T'as dit quoi? Y a pas de galère, y a pas de galère, juste bah, il fait plus partie de ma vie. Je sais, mais genre, tu trouves pas tes. Genre, t'as vu, moi, je peux comprendre, etc. et tout, que t'es un peu le seul sur lui, etc. et tout, ce que je peux comprendre. De toute façon, vous, les meufs, c'est comme ça. Et encore, les tismés, c'est encore pire. Donc, c'est-à-dire, je peux comprendre. Mais, t'as vu, genre, pour moi, toute situation est possible d'être arrangée, tu vois. Au moins, même si ça se quitte dans des. Même si ça se quitte pour toujours, au moins se quitter sur de bons termes. Genre, là, il a même pas le temps de s'exprimer, même pas le temps d'expliquer ou quoi. Moi, je trouve que c'est trop bref. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment. Je te demande pas des promesses, pas des trucs, pas des... Juste au moins et qu'il ait un moment pour te voir, pour parler. Juste ça. Est-ce que c'est possible? Au moins, vous vous posez, vous discutez, vous mettez les choses à plat. Et au moins, juste ça. C'est possible ou pas? Ouais. Vraiment? Ouais. Donc vas-y, je lui dis alors. En mode que vous pouvez au moins discuter. C'est bon? Vas-y, bah je te dérange pas plus, je te laisse. Et en tout cas, merci d'avoir pris le temps, ok? Vas-y. Vas-y, ciao, ciao.
suce-moi, celle-là, mon gars. Suce-moi, voilà, suce-moi. Suce-moi, comment je vais te mettre bien. Mon gars, amen. Grâce à moi, grâce à moi, Rusty va voir Lana demain. Voilà, commence à danser maintenant, sans l'enculer. Regardez-moi ce light skin. Quand c'est pour des raclis, maintenant on sort de la dépression. Hein. T'as regardé le. Peut-être il a trop le seum. Pourquoi t'as le seum? Pourquoi t'as le seum, toi, avec ta maxi calve? Vas-y, Ted, il a trop le seum. Le big. Bref, Rusty va voir Lana demain, les gars. Sucez-moi, c'est grâce à moi. Voilà, vous parlez. Bah alors? Alors, nous, on arrange les choses, nous? Pas toi? Mon rêve, tu te moquais bien de moi tout à l'heure, espèce de grosse merde, bah. Gros, hey, gros, nous on n'est pas dans la même situation, poteau, on n'est pas dans la même situation, mon petit. Arrivé, voilà, on est arrivé à Disneyland, tu vois, moi je fais pas les choses à moitié là, non. Je sais pas si t'as capté notre amitié en fait, elle me tient vraiment à cœur. C'est-à-dire c'est pour ça en mode là, Disney et tout, nan, je t'ai pris ta place. Et on enchaîne comme ça en vrai. T'en penses quoi? En plus, tu m'avais dit qu'en plus, ça fait longtemps que tu voulais y aller. Ouais. T'as capté ou pas? Ouais, les gars, respectez le Rust! Respectez le Rust! Ouais, les gars, je suis arrivé à Disney, je fais rigoler ma meilleure pote. Ça sent bon! Ça sent vraiment bon! Les gars, je lui ai pris ses oreilles Disney. J'ai craqué, je vous jure, elle m'a forcé à prendre ses oreilles. Je suis vert. Je me suis levé, ça lui va tellement bien. Bomboclat. Eh ben, du dent. Je suis trop dans mon élément. Lana, tu peux te retourner, Lana? Tu sais que là on va rentrer dans la tanière du dragon. Je sais pas si t'es au courant. Les gars, je vous jure que cet endroit il m'a traumatisé quand j'étais petit. Non, non, t'inquiète. Non, en gros c'est un vrai dragon en mode. On dirait vraiment un vrai dragon, c'est une sauvage. Vas-y, viens là, wesh. Les gars, la tanière du dragon, c'est pas pour les. Il m'a tellement traumatisé ce dragon. Wow, les gars, on est passé à l'accès rapide. Voilà, on n'est pas vos petits camarades, vos petits hein. Nous, on passe en rapide, nous. Il a tellement pas d'argent. Si, je lui dis qu'il s'est pris 6 paiements, je suis mort, c'est pour les cams. Non, je range pas mon téléphone. Moi, je suis là pour les caméras. Lana, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je vois ta cheveux et tout, t'inquiète pas, Lana. Les gens, ils disent des coachings, ils respectent en fait. Mais oui, mais Lana, en fait, t'inquiète pas, wesh. Tu vois, tu paniques et tout. Calme, il y a Rusty à côté de toi. Attends, wesh. Attends, wesh. C'est impossible qu'il aille en arrière. Mon ref, c'est impossible que t'ailles en arrière, mon ref. Oh non, Dieu, c'est impossible. Oh. Génial les gars, ça a même pas fait peur, wesh, t'es lourd, wesh. Pourquoi t'as pas crié, t'es pas lourd toi? Mais moi je crie pas. Elle a pas vu? Putain, je suis vert, on me voit pas bien. Mais ça se voit, je suis serein en vrai. Grave serein, grave. Hein. Le monde qui est là en mode. Y'en a ce qu'il dit? Type shit, c'est tout ce qu'il dit. Hein. Voilà, donc on doit tirer là-bas pour éliminer le robot. Voilà. Ici aussi, boum. Ouais, c'est éclaté. Ok, j'ai tiré, voilà. Hop. Miskin, j'ai 52 000, elle a eu 9 900.
Wesh, là-bas il y a des attractions de fou, non? Vas-y, on y va, on voit. C'est comment lui? Il veut quoi lui? Sa calvitie là. Wesh, Lana, ton oncle est toujours pas sorti de Fleury. Allô? Oh, allô? Oh mon dieu! Putain! Ah, ça va. Ouais, ça va. Putain, mais non! Fais chier! Allez, les gars! Écrasez-les! Là, je me sens un peu chez moi. Voilà, là, je vois un peu des baobabs, des arbres. Des arbres, voilà, des arbres, on peut grimper dessus et tout. Non, non. Je me sens un peu plus à ma. Voilà, les gars, nouvelle attraction. On va faire l'attraction de Lana, l'attraction préférée de Lana. Lana, t'en penses quoi? Wouh! On va faire ton attraction et tout. Super, ouais, super. Wouh! Attendez! Attends, Lana! Lana, tu me ramènes où? Les gars, j'ai même pas eu le temps d'allumer mon téléphone. J'ai même pas de. Même pas de bonjour, rien, Jericho. Il nous a agressé tout. Wesh. Moi, je suis une sale enfant, j'ai peur, moi. Ça me ramène ici. Il y a de l'eau et tout. Wesh. Ok. J'ai capté. Pas mal. Ouais. On vient de finir l'attraction. C'était banal. C'était banal, c'était vite fait, frère. Les gars, c'est la deuxième fois qu'on passe dans l'accès espace rapide. J'ai plus d'argent. À chaque fois qu'on passe dans l'accès espace, c'est 34 euros. Devinez combien on a dépensé juste pour l'accès. Combien j'ai dépensé. Ça coûte cher de récupérer sa meilleure pote, je vous jure. Casse la dé. Waouh. Oh non, c'est inattendu. Appareil hyperespace à mon commandement. Oh, yeah.